Bonjour les amis, bienvenue sur Essai Libre. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il fait beau et je suis avec Kevin. C'est ça. Salut Kevin. Salut Ludo. Bah écoute, merci d'être venu jusque là. Tu viens partager la passion, une nouvelle parole de proprio. Et oui, aujourd'hui tu es venu avec ta Peugeot RCZ. Voilà. Pourquoi tu as acheté une RCZ? Tu peux nous expliquer? Ah, c'est un rêve, hein. Quand je suis allé au salon de l'automobile en 2010, ouais, j'ai vu la fameuse bête, hein, sur le stand. J'ai pu monter dedans, etc., faire le tour de la voiture. Je me suis dit, celle-là, il me la faut. Ah, bah ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'était en 2010, tu dis? Oui, c'est ça, il me semble, c'est 2010, le salon d'auto. Un petit 1 an et demi que je l'ai. Bon, un petit 1 an et demi déjà. T'as fait combien de kilomètres? On va faire le tour rapidement pour montrer à nos amis, si tu veux bien. J'ai dû faire à peine 10 000. 10 000 km quand même, à peine, ouais. Donc tu as du recul, c'est ça qui est important. Est-ce que tu peux nous dire, Kevin, les caractéristiques techniques? Quel est ce modèle? Alors là, c'est un moteur THP 156, donc ouais, c'est le moteur d'entrée de gamme. D'entrée de gamme à l'époque de la RCZ. Voilà, c'est ça. Mmh. Celle-là, bah, elle est équipée du pack sport. Ouais. Donc elle va se retrouver avec une boîte courte. D'accord. On va retrouver le petit volant sport. On va également retrouver ce qu'ils appellent le THP Sound. Donc ça va être les sons du moteur qui sont remis dans l'habitacle via les aérateurs. Il y a des clapets, il y a des choses qui ont été faites, c'est ça? Voilà, c'est d'origine. Je sais que c'est d'origine sur les 200 chevaux. Mmh. Sur les 156, c'est pas d'origine. Mais c'était une option. C'était une option, voilà. D'accord. Donc là, celle-là, donc tu as un beau petit son échappement moteur, enfin je sais pas comment on peut dire. Ouais, voilà, ça fait, quand on accélère bien, qu'on la fait bien monter dans les tours, on entend bien le moteur. Ouais. Ça n'est pas dans les haut-parleurs? Non, pas dans les haut-parleurs, ouais, ça vient directement dans les aérateurs. D'accord, il doit y avoir un système de clapet, effectivement. Tube, ouais. Elle a combien de kilomètres aujourd'hui? Elle doit avoir 79 000, un truc comme ça. D'accord. Alors pour expliquer à nos amis l'histoire du Peugeot RCZ, c'est une Peugeot qui n'a pas de numéro déjà. C'est ouais, que des lettres. Mm. Mais l'histoire est un peu atypique. En fait, c'est arrivé en 2007, tu t'en souviens ou pas? Avec le concept. Un concept car 308, à Francfort en 2007, qui a été présenté au public. Et là, ça a fait un carton. Ah bah oui, ils ne prévoyaient pas de la... Bah non, ils n'étaient pas prêts. C'était juste un concept car, mais enfin, ils avaient eu ce nez fin de faire cette voiture avec... ici, vous voyez, un peu un concurrent à la TT, avec un toit bosselé, comme ça, double bosselage. Ça, c'est une pièce d'orfèvrerie, hein, ça. Ouais, c'est Saint-Gobain, il me semble. Ça, c'est toujours très compliqué à faire parce que c'est une vitre, hein. On a la vitre, là, qui correspond avec le toit, mais à mouler ces pièces-là, c'est toujours très compliqué. Ah bah ouais. Donc, ils ont fait ce concept car, ça a fait un carton. Et là, Peugeot s'est dit, tiens, un carton. Mais pourquoi on ne le produirait pas? D'ailleurs, les gens le demandaient, hein, les journalistes, les particuliers. Ils ont bien fait. Et ils ont bien fait. Aujourd'hui, tu en prends le volant. Donc ça, c'était en 2007. Ensuite, en 2009, ils l'ont représenté au Salon de Francfort, mais cette fois pour dire « elle sort en 2010 ». Voilà, c'est ça. Et c'est là, en 2010, où les premiers modèles sont arrivés pour les particuliers. Exact. Date de production de 2010 à 2015. 2015, ouais, 5 ans seulement. Donc finalement, vous voyez les amis que c'était relativement court. Et c'est une voiture qui, pour moi, est déjà collector. Et c'est pour ça que je suis très heureux de l'avoir aujourd'hui sur Essai Libre, effectivement. Parlons du design, justement. Qu'est-ce qu'ils avaient fait sur ce RCZ? Ils avaient pris une face avant de 308 de l'époque. Ouais, c'est ça. C'est exactement les mêmes pièces, hein, je pense que... Oui, bah, de toute façon, par choc, feux... tout ça, c'est la même chose. Exactement la même chose. Il y a juste le pare-choc qui est un peu plus large par rapport à la 308. Il est un peu plus large? Ouais, il est beaucoup plus large. Et là... J'avais déjà vu, j'ai mis la mine à côté de 308, effectivement, il est plus large. D'accord. Il a une belle finition celui-ci, il est noir laqué. Noir laqué, ouais, c'est comme ça pour toutes les RCZ. Les jantes chrome, c'est pas toi qui as mis, c'est d'origine comme ceci. Toi, ce que tu as mis, c'est peut-être ça. Voilà, c'est ça. Hein, les petits soulignements rouges, c'est bien, c'est tendance. Quand tu regardes en latéral, là, ils ont fait un sacré travail de design. Ça n'a plus rien à voir avec la 308. Ah bah là, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a qu'une chose qu'il y a à voir et que je regrettais à l'époque, mais c'est mon avis personnel. Hein. Ouais. Ce que je regrettais, c'est qu'ils n'aient pas plus travaillé la poignée. Tu vois, ça. Ouais, parce que ça, pour moi, c'est des poignées de 308 ou de 307 d'époque, tu vois. Non, c'est vrai qu'elle est pas... Ouais, ah, ils auraient pu faire autre chose. C'est la petite touche qui manquait, mais... C'est un peu grossier. C'est un peu grossier ça bien sur l'arête, et ça rappelle trop les voitures, tu vois, la 308 d'origine. Ouais, mais pour le reste, c'est du travail d'orfèvrerie, ce dessin et cette arche. Tout le travail là, double bosselage du toit et les arches. 235, 45, R18. Je me demande si c'était pas des options à l'époque, hein. Je sais pas. Je crois que 18 c'est l'entrée de... Ah ouais? Ouais, parce qu'après c'était du 19. Bon. nos amis spécialistes puristes du RCZ nous diront si d'origine la THP 156 était équipée de ces jantes. Mais il me semble. Bon, t'as un Peugeot Sport ici, mais je trouve ça de bon goût. Franchement, ça lui va super bien. Bah, ça rajoute la petite note sportive, quoi. Ils le faisaient pas à l'époque, hein. Ils l'ont jamais. Les... Ah, la RCZ R peut-être. Voilà. Sur la R, ils étaient rouges. Ils sont beaucoup plus gros. Ah ouais. Bah oui, oui. Ouais. C'est des Brembo peut-être. Mais en tout cas, ça lui va bien. Moi, j'aime bien, c'est le tracé. Gonflé sur ouais. L'arrière, là. Mais cette voiture, de toute façon, elle est musculeuse. Regarde. Là, ici, là, tu vois comment c'est. Bah, de toute façon, ça on le voit dans les rétros. Ça, ben voilà, tu vois. Dans... Et moi, c'est ce que j'aime voir. Et du coup, la question, Kevin, c'est. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes comme détail sur ta voiture? Qu'est-ce que tu préfères là, comme petit détail esthétique? Puisqu'on est là. Moi, après, ça va être la planche de bord, j'adore. Ouais. En parlant de l'intérieur. Ouais, on va parler de l'intérieur. Mais après, sur l'extérieur, ouais. C'est l'aileron là, qui se lève selon la vitesse. C'est ton détail, ton détail esthétique que tu aimes. Sur Essai Libre, tu sais qu'on aime montrer les dessous. Donc, je vais y aller. Je vais y aller voir ce qui se passe en dessous. T'as déjà ils avaient mis une belle double sortie de peau. Hein. Elle est sympathique. Elle est sympathique, hein, franchement. Je pense que c'est d'origine. C'est d'origine, oui. Alors, on va essayer de voir en dessous. Donc, tu dois avoir une roue de secours, effectivement. J'ai pas de roue de secours. T'as pas de roue de secours? Il y a un panier, mais... Il y a un panier, mais dedans, on pourrait en mettre une. Mais tu ne l'as pas mis. Mais t'as une bombe. T'as une bombe anti-crevaison. Bah écoute, en dessous, c'est propre, mon ami. Hein. C'est propre et bien calfeutré. Et alors ici, tu dois avoir une alliance de feu de recul et feu anti-brouillard. C'est ça. Si je ne me trompe pas. Ouais. Montre-nous le coffre. Pour l'ouvrir, tu as un petit bouton en dessous là. Voilà, c'est ça, juste là. Ouais. Donc bien caché. Et là, on a le... Ah, c'est bien rangé. C'est précieux, je trouve d'ailleurs. Il y a mon sac technique. Mais oui, effectivement, tu as raison. C'est une bonne remarque, il est vraiment spacieux. Pour un petit coupé. C'est quoi, c'est la caisse à outils ça? C'est mon huile parce qu'elle est très gourmande en huile. Ah bon? Ah ça consomme? Ouais. Tous les 5-6 000 bornes je fais un complément. Ouais. Oh là ouais. Ah ouais. Mais c'est pas un problème ça ou? Non bah j'ai regardé dans la notice, apparemment c'est normal. Ah ouais. Donc bah, t'avais posé la question. Là, je vais faire la révision chez Peugeot sous peu de temps, je vais leur en parler. Mais, mais ça consomme de quel ordre? Parce que ça intéresse toujours nos amis ça. Oh, bah... Tu remets quoi? 5-6 000? Tu remets un demi-bidon ou... Un demi-bidon, ouais. Ah ouais, donc ça représente ouais. Un demi-bidon quoi, de 2 litres je crois que c'est un bidon d'un litre que je dois avoir. Ah non, c'est des bidons d'un litre, ouais, donc... 500 millilitres, je vais en mettre. Donc tu remets 50 centilitres à chaque fois. Ah ouf. Il y a du vérin. C'est bien, tu connais ces livres. Il y a du vérin. J'ai eu peur, hein, je me suis dit, est-ce qu'ils ont foutu du vérin? Ouais, bah sur la 406 que j'ai, c'est pareil, c'est du vérin. Ouais, bah ouais, mais tu vois, la 406 est beaucoup plus ancienne et parfois il y a des voitures modernes qui n'ont pas de vérin. Hein. C'est vrai. Ça fait plaisir à voir cette façon d'ouvrir d'ailleurs. Ouais. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ces affaires-là? Ça, c'est un système pyrotechnique en fait. C'est ah bon? Si je vais taper un piéton, admettons, je tape un piéton, hein, pas de bol, et bah ça va péter et me lever le capot pour que le capot revienne vers la chaussée pour éviter que le piéton aille se foutre dans le pare-brise. Mis le moteur au chausse-pied, il n'y a pas énormément de place. non, il va même sur le dessous. THP 156 chevaux. Alors, 0 à 100, c'est une boîte manuelle? Oui, c'est mieux. 0 à 100 en 8 secondes et une vitesse de pointe donnée à 215 km/h. Ouais. Donc voilà, le THP 156, premier moteur d'entrée, il y avait un 200 jusqu'à un 270 chevaux voilà, RCZ R. Ah, ça, c'est le rêve aussi. Ça, c'est le rêve ultime. Tu veux dire que tu la remplacerais bien par une... Ah bah, je dirais pas non. Ah tu dirais pas non hein. 270 chevaux. Là c'était autre chose, hein. 270 chevaux, il y avait un 0 à 100 en à peine 6 secondes. C'était vraiment du sportif lourd. Ah ouais, bah ça marche fort. Hein. Ah bah ça marche très très fort. Hein. Et je m'en souviens de cette planche de bord de 308 qui était déjà, je trouvais bien dans la berline, mais sur le coupé elle lui va encore mieux du coup. C'est ça qui est top. C'est alors déjà toutes les planches de bord de RCZ elles étaient recouvertes de cuir. C'est pas du cuir. Alors c'est du tape. C'est une matière. Techno-tape, ouais. Ouais, c'est une matière synthétique, mais je trouve que la finition ça rend pas mal. Matière synthétique, mais qui émite parfaitement le cuir du coup. Hein. C'est difficile à dire que c'est pas du cuir. Ouais, bah après au toucher c'est pas pareil je trouve. Oui, oui, bien sûr. Mais non, bah c'est très bien. C'est mieux que du plastique dur ou du plastique mou. Oui, non, bien sûr. Vraiment plastique quoi. Ouais, je préfère avoir ça. Quoi. Non, la finition est plutôt de bonne facture. La pendule. Ouais, très jolie cette pendule. Ouais, j'adore. Bah, moi, le volant court que j'ai par rapport au pack sport, sinon c'est les volants un peu plus larges. Un peu plus larges et il y a un méplat. Les inserts en alu. Et tu as un méplat là, parce que c'est le volant pack sport. C'est ça. Et c'est marqué RCZ. Voilà. Et la planche de bord ici, vous voyez, il y a un peu d'imitation carbone, c'est un peu argenté. Ouais, voilà. Ouais, c'est joli. Bon, j'essaierai pas de me placer, les amis, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, je vais pas tenter de mettre le 1m88 là-dedans. Il rentrerait, mais en travers peut-être. Ah, c'est une partie de Tetris. Ah, mais c'est là où tu mesures le travail qui est réalisé sur le bosselage, sur la vitre à l'arrière. Ouais, et puis à l'intérieur, ça va, elle fait pas aussi foncée que sur l'extérieur. Ouais. Elle est teintée de dehors, mais pas de dedans. Ouais. La visibilité, je trouve, elle est pas mal. Elle est bonne. Ah, franchement, elle est pas Parce mal. Que souvent, sur ce genre de coupé, tu as des meurtrières. Je te propose un truc, c'est qu'on aille faire un tour avec nos amis sur la route pour voir un peu comment se comporte ce THP 156. Bah, avec bonheur, allons-y. Alors nous voilà sur la route avec ce fameux RCZ. Kevin, moi j'ai envie de te demander tout de suite, tiens, où je montre là une RS6 Audi A6 vert, c'est magnifique. Très joli. Il y a un covering là-dessus, hein, mon ami. Bah là, oui, c'est sûr. C'est un covering très joli ce vert, dis donc. Bon, pardon. Non, les passionnés de voiture, tu vois, on se fait vite rattraper. Hein. C'est ça. Alors Kevin, l'origine de ta passion? Ça nous vient d'où cette affaire là? Parce que quand on a une RCZ, c'est qu'on est un peu passionné de voiture quand même, non? Ouais, particulièrement de Peugeot. Après, j'aime toutes les voitures. Mais ça vient de mon père qui lui avait une 204 qu'il avait acheté en voiture de collection. Il avait une voiture de passionné 204. Voilà, qu'il avait commencé à restaurer lui-même. Ah oui. Et bon, après, quand j'étais gamin, tout ça, bon, je le voyais faire. Puis à force de voir. Petit rassemblement le week-end. Ah, et tu y allais avec ton père du coup? Voilà, au début, on allait avec mon père. Ouais, à partir de quel âge t'as fait ça? Je dirais 16-17 ans. Ah oui, d'accord. C'est venu assez tard, hein, la passion. D'accord, ouais. Déjà à la base, j'aime tout ce qui est coupé, c'est un peu atypique. Ou les différents. Voilà. Déjà, j'avais commencé par la 406 coupé, hein, qui est un très joli coupé. Après, en restant dans la lignée chez Peugeot, c'est le RCZ qui me m'a vraiment plu. Par exemple, il y avait le 407 coupé, hein, qui suivait la lignée, mais bon, c'est pas une voiture qui m'a autant... Ah, la 407 coupé, elle n'a pas eu le même succès que la 406, ça n'a rien à voir. Hein. Non, non, j'ai pas accroché autant. Peut-être que ça reviendra avec l'âge, j'en sais rien. Je ne sais pas. J'en ai revu une l'autre jour sur un parking, je me suis dit, ouais, quand même, elle était pas si mal. Hein. Non, elle est pas moche, mais ça n'a pas cette aura qu'a la 406. On a fait un reportage... détaillé sur Essai Libre, hein, de la 406 coupée V6. C'est un V6 que tu as? Non, un 135 chevaux. Ah, le 2 litres? Ouais. Le 2 litres 135 chevaux. D'accord. Les qualités défauts de ce RCZ qui intéressera nos amis pour ceux qui sont preneurs, acquéreurs, intéressés. Ça leur plaira. Dis-nous, toi qui as fait 10 000 bornes avec. Bon, au niveau de la qualité, je dirais déjà le design. Hein. Ça, c'est une belle qualité, t'as raison. C'est quelque chose qui est joli. Ouais. Après, dans le design, ce que je trouve dommage, c'est la face avant de la 308. Ah, ça, on se rejoint. C'est l'élément qui me gêne. Trop copier-coller avec la 308. Après, avec la phase 2, ils ont fait un élément propre à la RCZ, ce qu'ils auraient dû faire dès le départ. C'était quoi la phase 2 qu'ils ont fait en propre, quand tu dis? La face avant, là, qui est... Elle est un peu plus travaillée, je remettrai les images, j'ai pas... elle ressemble beaucoup au Peugeot de maintenant, mais je veux dire, c'est une face avant qui lui est propre. On ne retrouve plus la face avant de la 308, par exemple la 308 phase 2, elle n'a pas du tout la même face avant que la RCZ phase 2. Ah d'accord. Là c'était trop copier-coller. Voilà, que les phases 1 c'est les mêmes avant. Ah ouais, d'accord. Après, les défauts ça va être les finitions. Ah. Parce que, là on est sur du généraliste. Hein. Généraliste Peugeot. Moi le problème que j'avais eu, comme je te disais tout à l'heure, c'est au niveau des jantes. Oui, les jantes. Elles s'oxydent sur le centre. Le vernis. Le vernis saute. J'ai eu de la chance, c'est que les miennes ont été refaites. D'accord. Mais sur d'autres RCZ que j'ai vu, effectivement, on retrouve beaucoup ce problème-là. Vernis de la jante à surveiller. C'est dommage de mettre des vernis de mauvaise qualité, mais bon. Voilà, c'est ça. Après, on va retrouver des plastiques, là, des poignées de porte, ça craque. c'est une imitation absolue, absolument. Ah, je montre à nos amis là de mon côté. Voilà, regardez, effectivement le plastique mal ajusté. Ouais, on veut faire sorte, c'est de l'alu, mais on sent vraiment à la main. Ouais, et c'est dommage parce que c'est des pièces qu'on tient beaucoup, tu vois. Ouais, c'est des éléments, quand tu vas fermer ta porte tout le temps, tu vas manier ça. Après, en termes de motorisation, tenue de route de la voiture, tu as des choses à... Tenue de route, c'est impeccable. Ouais, ouais. Franchement, elle bouge pas. On sent que c'est bien assis et que c'est un peu un confort ferme. Hein. Je peux prendre des virages serrés, ouais, à une vitesse. Hein, ouais. Elle bouge pas. Ça bouge pas. Franchement, elle bouge pas. Après, le cuir, ce que je vais lui reprocher, le cuir, c'est qu'il est, je le trouve trop fin, trop fragile. Le cuir des fauteuils. Ouais, trop fragile. Ah ouais. Toujours au niveau du paquet, où, comme la plupart des. Ça s'use souvent là. Ça s'use. Là, ça commence déjà. Ouais, moi j'ai déjà retinté vernis. Ah, carrément. Ouais, pour être tranquille. Ah ouais. J'ai retinté par prévenance. Vernis, comme ça, je suis pas embêté. Mais ouais, je vois par exemple ma compagne qui a la petite TT de première génération. Son cuir est beaucoup plus épais et on voit que c'est autre chose. Ouais, là, une autre qualité de matériau. Là, on voit que c'est fin. C'est du cuir qui est fin et c'est pas. Dans le temps, je pense pas que ça. Il faut surveiller. L'aspect du cuir est pas mal, mais bon. Il est joli. Mais après. Surveiller. D'accord. Tu vois les belles routes Essais Libres, elle a été refaite à neuf. J'ai demandé à ce qu'on la fasse regoudronner pour que les passionnés puissent rouler de bonne manière sur cette route Essais Libres, la route officielle Essais Libres. THP là. Le petit THP. Ah, il y a un petit son effectivement avec. On entend le petit clapet. Hein. Celle-ci n'est pas ancienne. Non. Et voilà. C'est un modèle à mon avis qui plaira longtemps et qui va être collector. Et il l'est déjà par le fait que la production s'est arrêtée en 2015, les amis. Ouais, c'était court, hein. 5 ans, c'est pas. Et bah, c'est pas long pour un modèle, effectivement. C'est pas énorme. Ça n'est pas long du tout. Et elle était fabriquée en Autriche. Voilà, c'est ça. En Autriche. Vous savez ça? Ouais, je savais. Ouais. La société, en fait, c'est Magna Steyr. Magna Steyr, bon, je ne sais pas ce qu'ils fabriquaient d'autres comme modèle, mais en tout cas, cette RCZ était produite là-bas. Ils faisaient au démarrage 70 véhicules par jour seulement. C'est pas énorme. C'est pas énorme, c'était une production confidentielle. Et pour autant, c'est une voiture qui a marché. Hein. Cette RCZ, elle s'est vendue quand même. Elle a été saluée par la presse, elle a reçu plein de prix d'élégance et autres, de meilleurs coupés. Enfin voilà, dans ces années-là, il y a eu du succès. Ah oui, ça reprend sympathiquement. Surtout que ces moteurs THP de chez Peugeot là, ils ont été développés avec l'aide de BMW, donc c'est pas rien quand même. Voilà, c'est ça. Un des meilleurs motoristes, BM. On va pas s'en plaindre. Si ce n'est le meilleur. Bah oui. Non, mais c'est clair. Tu vois, sur les premiers mètres, alors il y a un truc qu'on sent et qui est génial, c'est la dureté à la direction, j'adore ça. Oui. Ah, la précision là, tout de suite, hein. tu le sens très vite. Hein. En virage haute, c'est fort agréable. Ah, ouais. Bah 0 à 100, écoute, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Hein. 0 à 100 en 8 secondes. Pareil. Et ça va vite monter. Tu peux mettre juste la caméra vers le compteur pour montrer. Quand on n'a pas l'habitude. Un bruit de clapet, 100, et on entend bien les clapets à la réaccélération à chaque fois, on entend bien cette petite sonorité. C'est pas un modèle super sportif, c'est pas le but, non du tout, mais il y a ce qu'il faut pour profiter avec ton coupé. Ouais, là, ça fait bien le job. Hein. Ça fait bien le job, t'as pas l'impression de manquer de puissance quand tu roules avec. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, on s'y retrouve bien dessus. C'est très précis, hein. Très précis la direction. C'est au millimètre, c'est du Peugeot comme on aime là. Direction précise. Alors un truc que je vois de plus en plus en RCZ, c'est quand je croise d'autres RCZ, j'ai des petits signes. Tu sens qu'il y a une communauté qui va se faire avec la rareté du véhicule. Il y a des gens, souvent c'est un petit appel de phare ou des fois ils ouvrent le carreau, un petit signe de main. J'ai remarqué ça là, depuis peu de temps. Là. Depuis peu de temps, ça commence à se faire. Depuis peu de temps, j'ai vu ça. Donc, ça m'a surpris, bah, du coup, je refais le signe. Quoi. Mais oui, détenteur d'une voiture atypique et qui va devenir de plus en plus exceptionnelle. Même en THP 156, petit peu rageur quand même. Hein. Ah oui. On l'entend. Avec ce petit pack sport là, on l'entend en moteur. C'est sympathique. C'est super précis. Ouais. La boîte, effectivement. Alors là, ouais. Mais la boîte, on sent. Les rapports, effectivement, c'est court et ferme, ça s'enclenche. Ouais. Ouais, ça s'enclenche très vite. Alors que sur un modèle 156, ouais, sans pack sport, il y a des plus grands débattements. Ouais. Le volant est beaucoup plus grand. Il n'y a pas ce petit bruit dans l'habitacle. Enfin, je sais pas si on l'entend plus que ça. Ouais, après avec le micro de la caméra, je sais pas ce que ça donnera, mais effectivement il y a un petit travail, ça c'est sûr, on l'entend. On a fait notre tour, donc moi je dis oui, je valide ce choix automobile, hein. Il faut, les amis, n'hésitez pas à acheter des RCZ, à les garder, à les collectionner. Oh oui, et puis là les prix baissent bien, c'est un concept abordable. Ouais. Honnêtement, je vais montrer à nos amis d'ailleurs le tableau de bord en action. Vous voyez là le jeu d'aiguille. Il y a un petit ordinateur de bord en centrale. C'est ça. Qui permet de voir la vitesse, conso-descente. Pareil, quand le GPS marche, il y a des indications. Ah oui, des indications de direction. On s'affiche ici. Voilà. Et puis le plan. Alors voilà, je vous montre le plan dans le rétro. Ça c'est toujours... magnifique avec le bosselage et la vision à l'arrière qui est très bonne. Voilà, ça, pas de meurtrière sur ce coupé, pas de meurtrière, ça c'est important parce que sur les Audi TT, effectivement, je pense qu'on n'y est pas. Merci Kevin pour ce petit tour. Bah écoute, merci à toi. J'ai pu apprécier les qualités dynamiques de ce RCZ et j'en profite pour montrer à nos amis que tu as un beau porte-clés là. Voilà, c'est reproduction de 1930, il me semble. Peut-être des bêtises, mais c'est un des premiers. Ah oui, c'est pas mal fait, c'est en deux fois. Voilà, en fait. C'est ça. Mmh. C'est un des premiers avec la fameuse flèche là, qui représentait les outils à l'époque, les outils Peugeot. Ouais, parce que Peugeot était spécialiste en outillage. Bah, ils ont commencé comme ça, ouais. Ouais. Tu vas la garder? Ah oui, ça c'est un modèle que je garderai. Hein. Comme la 406 coupée. Ah mais il va te falloir alors. Ouais, il me faut un garage merveilleux aussi. Ouais. Tu le connais celui-là, hein, le fameux, notre fameux hangar merveilleux. Je vais refaire des vidéos d'ailleurs sur ces sujets. Qu'est-ce qu'on mettrait dans notre hangar merveilleux comme auto? On avait commencé par une RS6 Performance parce que j'adore la RS6 qu'on a croisée tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Et eh ben celle-là, elle en ferait partie. Ouais, je la mettrais dans le hangar merveilleux. Tu as raison. RCZ, coupé 406. Mais il y en a tellement d'autres. RCZ, c'est pas trop bien les significations du RCZ. Oui, c'est une bonne question, ouais. Ça. Ouais. Si des amis savent pourquoi, racé, RC. Ce qu'ils disent apparemment, RC, ce serait racing. Le C, bah, car. Et ouais. Le Z, apparemment, ce serait l'indice qu'il y avait sur les pneus du concept car. C'était des indices Z? Ouais. Ah bah alors. C'est ce qui se dit. Après, Peugeot a rien annoncé d'officiel. Ouais. Donc ça laisse plein de théories. Ça laisse plein de théories. Bah, si des amis savent au bout de la caméra. Là, on partage la passion ensemble tous les deux, mais on est quand même quelques centaines, voire milliers maintenant. Certainement des possesseurs de. Et certainement des possesseurs de RCZ. RCZ, ouais. Si vous avez la signification exacte de RCZ, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Ça nous servira toujours. Ça fera plaisir. Bah, oui. Mais en tout cas, Racing Car. Et Z comme l'indice, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout. En tout cas, c'est une des rares Peugeot qui n'a pas de numéro. Voilà, c'est ça. Et en ça, déjà, elle est atypique. Mmh. On a essayé de faire le tour. Si vous avez d'autres éléments à nous préciser, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne Essais Libres, bah, il n'y a qu'une chose à faire, c'est gratos. Il suffit de s'abonner, cliquer sur la petite cloche à droite pour être au courant des futures vidéos. C'est ça. Ce qu'il faut faire. Le pouce bleu. Ah, le pouce bleu, le fameux. Bah, attends, le pouce bleu, merci à toi, Kevin, d'être venu. Donc, un pouce bleu pour Kevin, pour la RCZ et pour Essais Libres aussi, ça fera toujours plaisir. Je peux faire une petite dédicace au Fun Club RCZ. Hein. Ah, bah oui, ça c'est important de le faire parce que tu fais des rassemblements RCZ. De temps en temps, entre passionnés, on se rejoint dans des rassemblements de voitures anciennes ou autres. Hein. Dans la région de Chantilly? Oui, même sur le 95, hein, l'Île-Adam. Ah, l'Île-Adam. Dans cette zone-là. Bon. Après, il y a des rassemblements qui sont un peu partout, hein, entre passionnés. Eh ben, j'espère que tu auras du feedback avec cette vidéo, que des passionnés t'auront vu et te reconnaîtront, viendront te saluer bien aimablement. Un forum et une page Facebook. Bah, super. Pour tous les passionnés de RCZ. Ça s'appelle comment pour la pub? Fun Club RCZ, tout simplement. Fun Club RCZ, bah, n'hésitez pas à y aller. Bon, l'administrateur se trouve à... près de l'île. Les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, vivez votre passion. Voilà, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. C'est le plus important. C'est pas pour faire plaisir aux autres qu'on s'achète une voiture, ou c'est pas pour frimer. Non, c'est pour se faire plaisir à soi. Pouvoir partager. Surtout le partage. Ah, ça c'est très important. Le partage c'est quelque chose d'important. Et ça c'est ce que tu viens de faire ce matin. C'est énorme. Voilà. Le partage c'est le plus important. Et là on a bien partagé ensemble. À ciao. Allez, salut. C'est une Peugeot qui n'a pas. Tiens, tu vois. Et en plein sur l'objectif, tu vois. Ouais, ouais. Moi je les attire, donc il y en a plein. Ah ouais, c'est sûr.